Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real. Certains ont même dit qu'il s'est économisé pendant la Coupe d'Europe pour arriver au Real en forme et pas blessé pour ne pas contrarier, bien sûr, son président Florentino Pérez. Après plusieurs années d'attente, plusieurs années de faux bonds, les médias en ont parlé, le feuilleton Mbappé est devenu une série Netflix. Enfin, le français, le franco-camerounais, finit par signer au Real Madrid et a été présenté récemment. Donc, vous venez de regarder la vidéo de présentation où il y avait plein de gens, le stade était plein, c'était à guichet fermé. Vous avez vu comment Florentino Pérez a présenté officiellement Kylian Mbappé au stade Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé jouera donc avec le numéro 9. Et fini les gros salaires comme à l'époque. Il avait 70 millions d'euros. Désormais, Kylian Mbappé est à entre 15 et 20 millions d'euros de salaire. Bon, il y a d'autres avantages, mais sinon, en termes de salaire brut, ça a considérablement baissé. Voilà, donc, Kylian Mbappé est enfin joueur du Real. Mais moi, personnellement, il y a un truc qui m'a déçu dans cette cérémonie. Généralement, quand on vient comme ça, on vient voir du spectacle, on vient voir quelque chose de beau, on vient voir quelque chose de merveilleux. Mais malheureusement, on n'a pas vu Kylian Mbappé jongler le ballon. On ne l'a pas vu faire des petits gris-gris, des petits gestes techniques. On a vu zéro spectacle. Et sincèrement, moi, j'étais déçu. J'ai longtemps attendu. Je me dis non, cette fois, il va jongler. Tout ce qu'il a fait, il a envoyé des ballons, mais il n'a pas fait de jongle. Il n'a pas fait de spectacle. Il n'a pas fait de gris-gris. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Kylian Mbappé ne sait pas jongler ? C'est la question que je me suis posée. Kylian Mbappé sait jongler ou pas ? C'est vraiment étonnant qu'il n'ait pas pu jongler. En tout cas, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real. Comment est-ce que ça va se passer ? Où est-ce qu'il va jouer ? Est-ce qu'il va jouer à gauche, le côté de prédilection de Vinicius ? Parce que lui aussi, on sait à un moment donné, il joue à gauche. Mais aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus axial. Est-ce qu'il va se battre pour cette place à gauche contre Vinicius? Est-ce qu'il va partir à droite? Qu'est-ce que Ancelotti va décider de faire pour que ces joueurs puissent cohabiter ensemble? Alors, c'est ce qu'on verra très, 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 très bientôt, dans, bien sûr, les prochains jours. En tout cas, le stage a commencé. Pour la Super Coupe d'Europe, on verra comment ça va se passer avec Kylian Mbappé. De toute façon, les images qui fusent montrent déjà un joueur qui est plutôt super heureux. On verra, on a qu'à attendre son premier match de Kylian Mbappé. Le Real sera vraiment une équipe inarrêtable, une équipe indétrônable, une équipe qui va faire mouche, une équipe qui va faire très très mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Et surtout, laissez un commentaire si vous avez une question. Et je me ferai le plaisir de vous répondre en vidéo, pourquoi pas. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe? Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde? Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez? Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors, cette formation est flexible. Vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 euros pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal.
Il y aura 2 semaines en plus de remédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467, ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp, ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très, 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 très limitées. Donc, à très bientôt.